dois lâcher la petite quicheta et il y a les iPhones dedans. 3, 2, 1. Aujourd'hui, on est au Parcours Park de Cherbourg. On va essayer de trouver 2-3 petites lines et puis filmer tout ça. C'est parti. Bon, du coup, j'ai trouvé une petite line. Ça commence par ce mur-là. Donc là, je vais faire un passement. Ensuite, je chope cette barre-là. Hop. Je fais une échappe et je dois atteindre cette barre. Ensuite, je fais demi-tour. Lâcher, enfin juste repousser là. Après je vais faire une accro ici je pense. Donc voilà, je vais tester. Après je suis pas trop j'ai jamais trop fait d'échappe rattrapé barre. Ça fait un peu flipper, mais bon, ça va le faire. Attends, avec le yep. Bon, ça va le faire, il n'y a plus qu'à choper la barre à pleine main, mais yes. T'arrives avec tellement d'élan que ça fait baler. Faut que je la niaque. Yes! Non. Ok. Prochain, c'est bon, normalement. Oh, gros! Peut-être au prochain. Oh, c'est chaud. Oh, faut pousser encore plus là, c'est trop dur. Je sais pas si on se rend compte, mais le détente il est énorme. Je fais 1m66, un truc comme ça. Mais dedans, il fait genre deux têtes de plus que moi. Oh non. Mec. Oh, j'étais tellement en haut. Non, c'est bon, là, c'est... Faut que ça le passe, là. Là, j'étais si proche, mec. J'ai cru que j'étais en haut. Et en fait, non. Mais le prochain, à chaque fois, je dis ça, mais... Normalement, ça va être bon. C'est mort. T'es sûr? Non, c'est mort, ouais. Ok. Yes, aïe! Oh, je l'ai allumé! Yes. Bon, on a fini avec le parcours parc. On va essayer d'aller sur une digue et pour trouver du cliff, on va aller voir ça. Let's go! On a repéré une espèce de structure métallique toute rouillée au milieu de la mer et on s'est dit que ce serait marrant d'aller cliff. Du coup, bah là, c'est parti. On a mis les combis et puis il n'y a plus qu'à se mettre à l'eau quoi. Léo a eu la bonne idée de ramener les iPhones dans sa sacoche. Du coup on va se démerder pour les ramener en haut pour faire des petits plans iPhone. Mais je sens que ça va être la galère pour redescendre, sachant que c'est rouillé et il n'y a pas de prise et tout pour redescendre. Du coup ça va être la galère, mais on va voir, ça part. Elle est trop froide. C'est genre elle est trop froide. Ça va hein. Ça va.
Oh les fesses. Oh mon pote, c'est calme, c'est calme. Balek, on aura sauté avant qu'il s'en rende compte. Bon, du coup, c'était un peu galère, on a fini par réussir à monter sur la structure. Du coup, là, avec lui, on se prépare, on va lancer un petit double-lay. Mais c'est quand même assez badant parce que le spot il est stylé, mais c'est vraiment pas solide. Du coup, c'est horrible. Genre, ça fait vraiment peur, il y a tout qui est prêt à se casser à tout moment. Il faut vraiment qu'on fasse gaffe, c'est dégueulasse. Du coup, ça fait peur. C'est horrible. À peine 10 mètres. À peine 10 mètres. Bah du coup c'est bon, ça part en deux play avec Léo, let's go. Bon là on décale parce qu'il y avait une alarme, donc on préfère partir. Je dois lâcher la petite kishta et il y a les iPhones dedans. Les gars doivent la récupérer avant qu'elle tombe en l'air. Prêt? 3, 2, 1. Oh, let's go. Wow. Je me suis fait attaquer par une tape sauvage. Elle essaye de me chiquer la jambe depuis tout à l'heure, mais... Vas-y, je te libère. On vient de cliffer. C'était un peu sketchy, mais c'était grave cool. Ça conclut une bonne journée. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.